Un proverbe français dit que le soleil brille pour tout le monde. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre programme matinal Ezaé TV du soleil. C'est le nom de cette émission. Merci de nous recevoir sur votre tablette, sur votre portable ou sur votre ordinateur. Le plus important, c'est de vous fidéliser à ce programme matinal. L'ossature de cette émission est composée justement de votre horoscope de la semaine, du prénom du jour, des caractéristiques du prénom, mais bien évidemment de la rubrique bien-être avec la charmante Anna et aussi les trucs et astuces avec Miss Espoir. On se retrouve juste après cette petite parenthèse musicale, une petite parenthèse musicale de douceur avec Yemi Alade featuring Ma Ville, Bébé, Toi et Moi. Amour, carrière, famille, agent, et bien les astres vous prédisent beaucoup de surprises, de bonnes comme de mauvaises bien évidemment. Et bien nous allons commencer tout de suite avec les amis béliers pour ce qui est de votre horoscope de la semaine. Si vous avez essayé sans succès un grand nombre de méthodes de réduction de votre poids, pensez cette fois-ci à la méthode gémothérapie. Eh bien, amis terreaux, d'importants changements se produiront dans votre métier et vous devrez vous adapter aux circonstances. Risque inflammatoire, mais sans gravité. Voilà qui est une bonne nouvelle. Amis gémeaux, climat ou le travail, surveillez bien votre langue. Attention à ne pas trop vous disperser, à ne pas oublier vos responsabilités conjugales. Amis cancer, vous vous sentirez bien dans votre peau et vous aurez raison de prendre le repos du guerrier. Vos initiatives dans le travail seront couronnées de succès, c'est une très bonne nouvelle par contre. Amis lions, roi de la forêt, risque de tremblements et de palpitations, prenez du magnésium et de la vitamine D, vous travaillerez bien et obtiendrez de bons résultats. Amis vierges, on fera appel à vous pour régler un contentieux de la vie courante. Ne vous dérobez surtout pas, ménagez-vous, n'allez surtout pas au-delà de vos forces. Attention! Ça balance et ça rebalance. Amis balance, vous aurez beaucoup de force de caractère, d'ambition et de ténacité. Rien ne pourra vous détourner de votre but. Vos proches vous entoureront. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Quant à vous, amis scorpions, si vous êtes du même signe que moi, voyons ce que prédisent les astres pour nous. Au travail, ne vous mettez pas sur les bras des charges trop nombreuses ou trop pesantes. Tout ira pour le mieux côté cœur, mais les difficultés s'annoncent à l'horizon. Sagittaire, vous aurez la volonté de réussir dans votre carrière, mais faites preuve de prudence et de discernement. Si vous n'avez pas pu combattre vos démons, c'est le moment. Capricieux, Capricorne, votre extrême irritabilité actuelle n'est pas due à une cause psychique, mais à un dysfonctionnement de votre système d'élimination. Quant à vous, Verseau, climat favorable à la concrétisation de vos divers projets, mais il faudra être vigilant quant aux détails. Si vous ne faites pas preuve de tolérance, alors vous avez des ennuis en vue. Dernier signe sur la liste, amis poissons, voilà une période bien paisible qui vous permettra de mettre de l'ordre dans votre vie. Vie familiale agréable, placée sous le signe de la chaleur. Mesdames, messieurs, c'était l'horoscope de la semaine. Tout de suite, nous allons recevoir demoiselle Anna.
pour ce qui est de votre bien-être. N'est-ce pas qu'on prend bien soin de vous? Allez, on se retrouve juste après ceci. Pour notre hygiène bucco-dentaire, nous allons recevoir Anna. Eh bien, Anna, bonjour à toi. Ah, comment vas-tu? Je vais très bien. La pleine forme? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène bucco-dentaire, comme je l'ai dit. Mm-hmm. L'hygiène bucco-dentaire, qu'est-ce que c'est? En fait, l'hygiène bucco-dentaire, c'est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. Une bonne hygiène bucco-dentaire et une bonne santé des dents passent par le respect de quatre règles assez simples. Alors, dis-nous. Il s'agit notamment d'un brossage régulier des dents, au moins deux fois par jour. Deux fois par jour. Bien sûr. Très important. Très important, matin et soir. Les visites régulières chez le dentiste. Mais tu sais que aller chez le dentiste, c'est pas trop dans notre culture ici. Si, donc, il faudra déjà commencer par aller chez le dentiste. C'est très bien important. Bien sûr, c'est très important. D'accord. Et aujourd'hui, c'est à la bourse de tout le monde aller chez le dentiste. D'accord, les consultations. Bien sûr. D'accord. Donc, ensuite, il faudra adopter une alimentation régulière, variée et très simple. Par ailleurs, il faut aussi utiliser des désinfectants tels que les solutions buvables après les repas. Ça permet de dégager les microbes qui restent logés entre nos dents. D'accord. Et ça évite aussi d'avoir une mauvaise haleine. D'accord. Donc voilà ce qu'il faut pour protéger nos dents, très simplement. Merci beaucoup à toi Anna. On te retrouve la semaine prochaine déjà pour d'autres astuces par rapport à la rubrique bien-être. Et bien juste après Anna, nous allons recevoir Miss Espoir pour parler des trucs et astuces. Je vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur votre émission Les AE Matinales. C'est du soleil, du soleil, du soleil. Recevez-nous à tout moment sur votre tablette, sur votre portable et sur votre ordinateur. Tout de suite la rubrique trucs et astuces pour vous aider dans votre quotidien. Des astuces de rien du tout, de grand-mère pour nous aider, pour nous faciliter la vie de tous les jours avec Miss Espoir. Eh bien Miss Espoir, bonjour. Bonjour Sonia. Alors la santé? Oui, ça va super. Les nouvelles sont bonnes? Oui, très bonnes, comme d'habitude. Les astuces, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la peau. Nous allons parler de la peau. Dis-moi Sonia, qu'est-ce que tu sais du chocolat? Moi, je grignote le chocolat. Ça grignote beaucoup chez Mais moi. Mais tu n'entends rien dire sur le chocolat par rapport à la forme qu'on grignote? Je préfère manger mon chocolat que de le gaspiller sur mon corps. Ça ne te fait pas grossir, hein? Non, je ne prends pas un gramme de plus. Ah ben voilà, donc tu es bien informée. Aujourd'hui, on va parler des vertus du chocolat sur la peau. D'accord. Parce que comme les grands-mères disaient avant, le chocolat, ça fait grossir. Mais non, c'est faux. Le chocolat ne fait pas du tout grossir, Sonia. Ah bon? Le chocolat ne fait pas du tout grossir. C'est riche en cacao et ça hydrate la peau. Donc, si vous voulez avoir une peau très douce, il suffit de prendre du chocolat fondant, de le passer sur la peau, tout le corps, même dans le visage. Vous faites des soins avec, vous le faites pendant 5 minutes et après vous allez vous doucher. Et pour vous doucher, vous utilisez du sucre. Vous mettez un morceau de sucre, le sucre blanc que nous connaissons tous très bien. Vous en prenez un, vous mettez dans votre éponge, de préférence avec votre savon. Ça mousse bien et vous commencez. Non, pas du tout Sonia. D'accord. Pas du tout, je crois que tu dois essayer. D'accord. Voilà, donc le chocolat, ça adoucit la peau et ça hydrate les pores. Ça amincit les pores et ça permet la libre circulation fluide. D'accord. Vous savez, le cacao, c'est très bon pour la santé. Donc, quand vous avez l'opportunité de grignoter du chocolat, faut pas hésiter. Pensez pas carré, non. Le chocolat, c'est bon. C'est bon pour la forme et c'est thérapeutique. C'est même prouvé, Sonia, que le chocolat, ça fait mincir. Ah, ça, je donnerai tout pour voir ça. Ah ben oui, il faut que tu commences. Parce qu'il faut se dire que par rapport au chocolat, nous avons quand même des idées toutes reçues par rapport au chocolat. Oui. Donc, on fait attention à ne pas trop en prendre. C'est vrai. Parce que chaque fois qu'on en prend, on pense déjà au pèse. Voilà. Du coup, ça traumatise un peu. Voilà. D'accord. C'est donc, justement ce que je te disais. Voilà, nos grands-mères avaient tort. Donc, chocolat, oui, chocolat, c'est très bon pour la forme. C'est bon pour le sourire, c'est bon pour le moral, c'est bon pour c'est la peau. C'est bon pour le moral. Voilà. C'est bon, bon. Donc, chocolat tout le temps. D'accord, n'oubliez pas d'emmener du chocolat la semaine prochaine. Aucun problème. Alors, c'était bien sûr la rubrique Truc et Astuces avec Miss Espoir. Tu restes avec moi pour le prénom du jour. Le prénom du jour, c'est la dernière ligne droite de notre émission du soleil ce matin. Encore une petite virgule musicale, on se retrouve juste après. Maven.
don't get a lot, God willing. And I don't pay my rent, God willing. There be one for my hand, but God willing. There be one keep my joy, but God willing. I say anything I do, now God do it. No, now God do it. No, now God do it, no. I don't change my name to Godiwin. I no more, I don't buy more to Godiwin. They say my market no go sell for Godiwin. And then me say I no go blow for Godiwin. Then my brother, make them try their luck. My God do win, no, my God do win, no, my Lord do win, no. As you don't pass exam, now God do it. And then me say you no go pass, for God do it. You wake up, see two day last song, now God do it. Robbers, they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. Oh, yeah, bell of us. Now God do it, no, now God do it. Your wedding day, now God you win. And it don't tell where you dey find, but God you win. See, we go pop champagne today, God you win. And we go dey dance, 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 cause God you win. Oh, lelele, anything you win, now God you win. And if you win election, my brother, God you win. Like if you win the contract, my friend, God you win. And if you check the countdown, my brother, God you win. And if your market, lelele, now God you win. Vous aimez bien doser aussi? Ah oui, j'adore ce morceau. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce clip-là, de ce clip-là? Oui, j'adore ce morceau, surtout quand on dit God win. Moi, je trouve ça merveilleux. J'adore, je te promets, j'adore. My God win, oh my God win. Every time. Gardez donc le courage, gardez espoir, peu importe la situation que vous traversez. Your God will win. C'est ça, j'espère. Your God will win. Tout comme fait. Every time. God win. Alors, le prénom du jour, c'est Roland. Vous connaissez un Roland en particulier? Oui, j'en connais un en particulier. De toutes les façons, le petit nom de Roland, c'est en abrégé, ça fait Roland, le profil des Roland. Nous allons bien décortiquer le profil des Roland. Alors, le Roland a un sens du devoir important et aime rendre service. Son souci de sécurité et sa peur du lendemain font de lui un travailleur méticuleux qui ne prend pas sa tâche à la légère. Mmh. Alors, si vous êtes enceinte, vous hésitez entre les prénoms et tout, je vous conseille bien le prénom Roland. Alors, Roland et les femmes. Voilà, en ça, amour, ça m'intéresse. En amour, dis-toi que Roland est un gentleman romantique et très courtois. Il n'est jamais brusque ou oppressant et comprend bien ce que les femmes désirent. Ah, je cherche un Roland. Moi aussi, tout de suite, je tombe amoureuse. Alors, pour ce qui est de la personnalité du prénom Roland, voici ce qu'on peut déjà retenir. Oui. Une personnalité bien particulière. Pour ce qui est des femmes, il recherche une personne gentille et stable comme lui. Alors, pour ce qui est de son profil particulier aussi, il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Il est de prime abord très attaché à l'ordre et aux règles préétablies. Mmh. Donc voici ce qu'on peut retenir du prénom du jour Roland. Nous sommes en avance sur le temps. Merci de rester connecté sur Ezaïe TV. N'oubliez pas votre petite tasse de café du soleil tous les matins sur notre web TV. Et plus encore, d'autres programmes Roland tout au long de la journée. C'était du soleil avec Sonia Annika Gontou, Miss Espoir et Miss Anna. Portez-vous bien. Bye bye. And if you win election, my brother, God you win. Like if you win the contract, my friend, God you win. And if you check the